je demande des excuses. Vous comprenez, non? Vous savez, les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux, mais nous sommes quand même d'abord les humains. Bon, si je fais cette vidéo, si j'ai blessé quelqu'un, vous comprenez, je vous demande tous les excuses. Et je veux aussi faire cette vidéo parce qu'il va demander les excuses à la veuve, parce qu'elle m'a appelé. Moi, je lui ai dit que je ne peux pas. Donc, je te demande les excuses, ma soeur, si j'étais blessée. La vie continue. Personne n'est plus important que l'autre. Je ne peux rien te rapporter dans la vie que le Seigneur ne peut te donner. Tu es une bonne personne. Tu m'as prise dans tes bras. Je ne peux pas rejeter ça. Je ne peux pas rejeter. Je vais toujours te le dire. Tout le monde qui m'aide, je dis toujours que merci. Je vais te remercier. Tu m'as ouvert ta porte. Tu as fait ma pub. J'ai vendu. Je peux te dire merci. Mais si je t'ai blessé, je demande pardon. Pardon. Ce n'est pas parce que j'ai peur de quoi que ce soit. Mais j'ai aussi les limites. Je peux faire n'importe quoi, mais j'ai les limites. Ma soeur, j'ai les limites. C'est pour ça, j'ai mal. J'ai très mal. Moi, je ne viendrai jamais. Jamais. Je ne vais jamais te manquer de respect, ma soeur. Je ne te manquerai jamais de respect. Tu sais bien, je t'aime. Et quand j'aime quelqu'un, ça avait un cœur. Je n'aime jamais les gens avec deux cœurs. Tu m'as ouvert les bras. Tu as fait ma promotion. Vraiment, je ne peux jamais piétiner le bien que tu m'as fait. Même si tu es fâché, comment, même si tu dis, même si tu me dis comment, je ne vais jamais piétiner ce mal. C'est ça qui fait ma force, vous comprenez? Quand quelqu'un me fait du mal, je regarde toujours le bien qu'il m'a fait. La veuve, ma soeur, je viens te dire, tu es une mauvaise personne, tu es une bonne personne. Moi, je t'ai côtoyé, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Bon, je vais couper la vidéo. Je pars à la soirée de mon DJ qui nous a invités pour faire honneur à mon mari. La veuve, je te demande pardon, ma chérie. Si tu m'as demandé, mais on doit se respecter. Moi, je te demande pardon si j'étais offensée. Et c'est comme ça que je vais toujours faire. Je suis sur les réseaux sociaux, je vends. Vous comprenez, non? Je fais des maisons d'hôtes. Je pars à la tribu bientôt. Vous allez voir ce que j'ai fait. Vous comprenez, non? Et j'aide aussi ceux qui veulent construire. Ce n'est pas obligé. Vous comprenez, non? Ce n'est pas obligé. La veuve m'a soutenue quand j'avais besoin. Vous comprenez? Elle m'a beaucoup soutenue. Et je vais toujours dire aux gens, si tu veux vraiment, tu es dans le commerce, tu veux qu'on te lance, va chez la veuve. Elle va te lancer. Elle va bien le faire. Donc, je ne peux pas chier dessus. Je suis quelqu'un de très, très reconnaissante. Et moi, le bien prend toujours le dessus sur le mal. Vous comprenez, non? Donc, je vais vous dire, j'ai vu des gens qui l'ont insulté. Vous n'avez pas gloire. Si ma soeur se met sur les réseaux sociaux pour m'insulter, ce n'est pas à vous de venir dire ce qu'elle est. Laissez-moi moi-même l'appeler pour dire que ma soeur, tu as fait ce qui n'est pas bien. Mais si vous voyez moi-même demander pardon, vous ne devez pas l'insulter. Tout le monde a sa façon de se mettre en colère. Si c'est sa façon de... C'est devenu sur les réseaux sociaux. On la connaît qu'elle est dans les réseaux sociaux. Pourquoi vous partez l'insulter? Pourquoi vous partez... Si vous m'aimez réellement, vous devez seulement dire que non, ma chérie, laisse. Vous comprenez? Je dis bien que les gens qui m'aiment, n'allez pas insulter quelqu'un pour moi. Oh, j'ai ma croix. Je n'envoie personne. Si vous pouvez où on parle de moi, regardez sans rien dire. Parce que ça m'a fait mal. Vous ne savez pas. Peut-être il y a eu quelque chose après. Peut-être j'ai mal répondu. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous comprenez? Peut-être j'ai mal répondu à la veuve. Elle vient, elle, son habitude, c'est que quand elle a quelque chose, elle vient sur les réseaux sociaux. Vous tous, vous le savez. Je n'ai... Quand vous me regardez, mes soeurs, je suis une très forte femme. Je n'ai peur de rien. Les gens qui me connaissent peuvent vous le dire. Je suis très forte et j'ai un moral d'acier. Mais je sais déjà faire la part des choses. Mon âge ne me permet plus de faire ce que je faisais quand j'étais jeune. Parce que le temps est court. Nous vieillissons, vous comprenez. Donc, j'ai vu le direct. Mais quand une personne, tu ne quittes pas insulter la veuve dans son direct, pourquoi tu l'insultes? Cherchez d'abord à savoir le fond d'un problème avant d'aller répondre à quelqu'un sur les directs. C'est pour ça qu'il y a la haine sur les réseaux sociaux. J'ai causé avec la veuve. Elle n'a pas aimé ce que j'ai dit. Maintenant, si elle vient parler, même regardez-la seulement. Pourquoi l'insulter? Moi, j'étais vraiment... Ça m'a fait mal de voir que vous insultez quelqu'un que vous avez l'habitude d'aller suivre. Vous comprenez, non? Tout le monde est hypocrite. Et je le dis. Et je le répète encore. Je suis une femme d'affaires. Je fais sur la vaisselle. Les sacs. Je fais sur les... Maintenant, je passe sur les maisons d'eau. Je parle au mois de juin. Vous allez voir. Je monte 4 une seule fois. Vous comprenez, non?
Donc, ne venez pas raconter les conneries qu'on va raconter. Je vends, je travaille. Vous comprenez? Et si j'ai fait mes vidéos, c'est pour vous encourager à vous battre. Réalisez vos rêves. Restez avec vos rêves. Parce que quand tu avais ton rêve et tu te bats, Dieu va ajouter. Vous comprenez? Non. N'insultez personne. Moi, je ne peux permettre à personne. Si la veuve a décidé de clasher sa soeur, laissez-la. Si c'est moi qui viens, je réponds. Vous allez dire que tata Lilia a donné le coup d'envoi. Mais vous voyez, même je vais abaisser le cœur de ma soeur. Vous, vous êtes là, vous n'êtes pas activé, activé. C'est vous, mes enfants. C'est vous qui attisez la haine sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez quelqu'un insulter, allez, regardez seulement. Vous voyez, vous êtes en train de me regarder. Regardez sans faire de commentaires. La personne va se calmer. C'est sa façon à elle de se prendre. Ce n'est pas moi. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Ce n'est pas à moi d'aller maintenant vers elle pour répondre. Non. C'est ma soeur. Vous comprenez, non? Donc, quand il y a des problèmes, c'est vous qui devez nous arranger. Ce n'est pas vous d'aller prendre les clans, telle insulte, telle. Vous savez bien que Tata Lily ne va jamais insulter. Bon. C'était juste pour vous faire un coucou. Pour vous dire que ça m'a fait mal, mais je suis déjà habituée que c'est comme ça que la veuve prend. Vous comprenez, non? Quand elle m'a ouvert les mains, je savais que c'est comme ça qu'elle est. Vous comprenez, non? Donc, je ne suis pas partie parce que... Non, je ne peux même pas la détester. Vous comprenez, non? Chaque personne, vous connaissez tout le monde sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que vous allez savoir que, oui, si la veuve se fâche contre Tata Lily, quand que grand-mère Grolé va l'insulter, ça vous surprend en quoi? Pourquoi? Au contraire, c'est vous qui devez dire que oui, la veuve, on t'aime, la veuve, on t'aime. J'ai lancé un concours là pour le meilleur. Je vous guette. Vous comprenez? Je vous guette. J'ai lancé un concours. Tout le monde qui aurait les beaux mots d'amour là où on est en train de clasher a les cadeaux. Vous comprenez, non? Donc, cessez d'attiser la haine. Parce que si nous tous, on veut être comme ça, si on arrive quelque part là où on insulte les gens, vous dites que non, 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 laisse s'il te plaît, laisse s'il te plaît. J'ai vu beaucoup qui disaient laisse s'il te plaît. Ça m'a donné chaud au cœur. Je voulais pleurer parce que moi, je suis très sensible. Hein. Mais j'ai vu des gens qui disaient laisse s'il te plaît, laisse s'il te plaît. Vous comprenez, non? Moi, j'ai supporté Tata Dujou. J'ai appelé ma soeur. Moi, j'ai une façon à moi de supporter les gens. Moi, je vais faire des choses à Tata Dudu pour l'encourager. Vous comprenez? Moi, j'ai fait... je suis venue sur la toile. J'ai fait... ma première vidéo, c'était sur la mère Tata Dudu. Ma troisième, c'était sur les enfants Tata Dudu. Vous comprenez? Donc, et j'étais la seule sur la toile à le faire. Mais vous, vous connaissez déjà que tel est comme ça. Tel est, vous connaissez déjà que composé est comme ça. L'autre est comme ça. Vous connaissez à tous les gens. Moi, je ne suis pas... je ne suis pas blogueuse. Je suis commerçante. Vous comprenez, non? Je cherche là où on peut faire ma pub. Si ça ne va pas, je fuis. Vous comprenez, non? Je ne suis pas venue chercher les problèmes. La veuve, c'est ma soeur. Vous comprenez, non? La veuve, c'est ma soeur. Donc, ce qui fait que je ne peux pas permettre que vous l'insultez. Vous comprenez? C'est ma soeur. Elle m'a fait rire. Même si elle me fait pleurer aujourd'hui, mais elle m'a quand même fait rire. Vous comprenez? Sachez que quelqu'un, c'est pas la personne qui te fait du mal. Elle m'a même pas fait du mal. Elle s'est exprimée. Elle a dit ce qu'elle pensait de moi. Vous comprenez? Elle a dit ce qu'elle pensait de moi et vous savez que c'est comme ça qu'elle va faire. Donc, ce n'est pas quelque chose. Moi, ça m'étonne pour vous. Quand vous voyez quelqu'un qui commence quelque chose, vous partez en courant. Il y a quoi de nouveau? Ne prenez plus tout comme les clashs. Moi, je n'ai pas pris ça comme un clash. Bien sûr, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Je ne peux pas vous mentir. J'ai un cœur. Vous comprenez? Ça m'a fait très mal. Mais vous ne devez pas prendre tout comme des clashs. Parfois, je vous ai dit que... C'est pour ça que je vous ai dit que les gens ne comprennent pas pourquoi je supporte certaines personnes. Quand Flore faisait des clashs, elle a rencontré quelqu'un. C'est la personne-là qui m'a fait lancer pour moi. Je serai reconnaissant de cette fille toute ma vie. Quand Compressor faisait ses affaires-là, ils étaient encore chaud, chaud, chaud. J'ai pris quelqu'un là-bas. Je ne vais jamais piétiner ce mal. Vous comprenez, non? Je ne vais jamais piétiner. Si tu fais un petit bien à Tata Lily va te garder. Nous avons tous des défauts et de bonnes manières. Vous comprenez, non? La veuve m'a prise sur son sein comme ça. Elle a fait ma publicité. J'ai eu des clientes qui ont fait des commandes. Vous comprenez? Je ne vais pas piétiner ça parce que ma soeur va venir me reprocher sur les réseaux sociaux. Même si elle vient parler mal de moi. C'est pour ça que je vous ai dit la façon que moi j'entends. Ce n'est pas la même façon que vous allez entendre. Vous comprenez? Parfois, certaines personnes viennent faire parce que c'est les pleurs qu'elle dit que non, ma soeur aurait dû m'écouter. Non, nous ne sommes, je ne suis pas obligée de t'écouter, ma veuve. Je ne suis pas obligée de t'écouter. Mais je comprends ce que tu dis. Je te comprends bien. Et tu as raison de me reprocher. Mais je t'ai demandé d'appeler Tata Dudu. Elle va te dire ce que j'ai fait pour elle.
Moi, j'ai commandé les misunga et je vais manger ça mercredi en direct avec vous tous pour encourager ma soeur. Parce que les injures, vous comprenez, non. Il n'y a pas de gringo dans les injures. On a toujours mal quand on insulte les gens. Vous comprenez? Il n'y a pas de gringo dans les injures. Le cœur n'a pas d'os. C'est ça qui vous dit d'éviter les injures. Vous comprenez, non? Je ne vais jamais m'en prendre à quelqu'un qui m'a fait du bas, du bien. Vous comprenez, non? La veuve m'a fait du bien. Et la même chose, Flo m'a fait du bien. Compression m'a fait du bien. Et je serai toujours reconnaissant. Même si ces deux-là viennent m'insulter, moi, Tata Lili, je ne vais jamais répondre. Jamais. Tout le monde a ses bons et ses défauts. C'est là mon âme fatale. Parce que je ne réponds jamais quand à une personne qui m'a fait du bien. Vous comprenez, non? Je ne réponds jamais. Même si Tata Doudou a fait quoi? Elle est seule. Vous êtes nombreux. Il faut comprendre. L'équipe de masse, ça fait mal. Moi, je l'encourage en achetant ces misunga. Ce n'est pas en venant insulter les gens. Vous comprenez? Quand vous êtes en masse, ce n'est pas comme quelqu'un est seul. Vous comprenez? Mais tout le monde a sa façon d'aider quelqu'un. Vous comprenez, non? Même si Tata Doudou ne s'est pas agressé à 100 personnes, mais moi, à moi, ma façon, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit à ma soeur, elle peut vous dire les inconvénients et ce qui est bien. J'en ai parlé à ma soeur. Vous comprenez? Parce que moi, je ne vois pas toujours que quelqu'un a fait du bien. J'ai dit là où elle est tombée et j'ai dit là où elle n'est pas tombée. Et j'ai dit à ma soeur ce que j'avais dit. Je ne cherche pas les amitiés. Vous avez dit sur Facebook. Hein? Je ne cherche pas les amitiés. Je ne marche pas avec quelqu'un qui ne me rapporte rien. Ma vie est déjà courte. Vous comprenez, non? Bientôt, là, on est en train de partir. Laisse-moi. Bon. C'est ce que je voulais dire. Le petit message que je venais vous envoyer. S'il vous plaît, n'essayez pas souvent de voir le mal partout. Quelqu'un peut parler parce qu'il veut sortir ce qu'il y a en lui. Moi, Meng, je vais vous donner mon nom. Meng Atangana, Denise Liliane. Je suis une redoutable. Je dis, les gens de ma famille me connaissent. Je suis une redoutable femme. Je vous mens pas, je peux bagarrer avant Anaconda. Mais je me suis dit, ma vie n'est pas là. Ma vie, il y a les petits-enfants. Il faut que je regarde mes petits-enfants. Et moi, quiconque me fait du bien, je ne viendrai jamais. Jamais répondre. Je vous ai dit les deux personnes qui ont joué dans ce que je suis aujourd'hui. Je dis bien, c'est grâce parce qu'il y a des gens, tu parles, tu ne sais pas que derrière toi, il y a des gens qui profitent. Parce que sachons aussi qu'on profite de nous. Il y a derrière toi, tu peux avoir les gens. Vous comprenez, non? Derrière une personne, tu peux être quelqu'un. Derrière une personne, tu peux connaître une autre personne. Ce que Flore a fait pour moi, elle mérite que quand elle a un problème, je me place. Parce que je suis reconnaissante et je ne vais jamais vous le, même si qu'il vient m'insulter. Ce que Compressor a fait pour moi, même s'il ne s'entend pas avec Bachot, mais aujourd'hui, ce que Bachot fait dans ma vie, c'est grâce à Compressor. Je suis allée suivre Compressor. Donc, je vous ai demandé pourquoi j'aimais beaucoup ces gens. Même s'ils vont m'insulter, mes chères sœurs, Tata Lili ne viendrait jamais. Moi, votre grand-mère Bolo, je suis hypocrite, je suis méchante, je suis tout ce qui est là. Parce que je suis d'abord humaine. Vous comprenez, non? Je suis humaine. Donc, moi, j'ai encore demandé pardon à la veuve si j'ai mal. Si peut-être dans ma question de dire non, ça t'a choqué, je te demande vraiment pardon. Parce que j'ai écrit, et maintenant je te demande pardon. Et que le massacre s'arrête sur Facebook. On est là pour nous unir. On n'est pas là. Si Tata Doudou est en guerre, je veux aussi prendre les armes pour aller. Non, il y a une façon que moi je veux aussi appeler ma soeur. Nous ne partons pas tous en guerre. Vous comprenez, non? Si tout le monde entre en guerre, qui va écouter qui? Il faut quand même un fou, non? Hein? Il faut toujours un fou. Lucida, moi je ne parle pas de quelqu'un qui est seul. On n'est jamais seul dans la vie. Il y a le créau. Tu comprends, non? J'ai dit ce qu'elle a fait pour moi. Ce qu'elle a fait pour moi. Il y a des faux profils là qui ont fait des choses pour moi. Ils sont venus derrière Compressor, ils sont venus derrière Flore. Je suis tenue au secret. Qui font... Il y a les faux profils qui sont au Cameroun, ils s'en chargent de m'envoyer mes choses. Ils me donnent des choses. Parce que pourquoi je suivais ces deux personnes? Si ces deux personnes n'allaient pas être sur la toile, bon, peut-être que si je partais aussi suivre de l'autre côté, j'allais peut-être avoir quelque chose. Mais ce sont des deux personnes que je suivais beaucoup. Et du coup, derrière le clash, j'ai eu ma part de gâteau. Vous comprenez, non? Donc,
Je viens de dire que si j'ai fait du mal, je demande pardon. Je suis humaine. Je peux tomber quelque part. Je ne suis pas... Bon, je vais arrêter comme ça. Et je vais vous dire aussi, vous ne pouvez pas vous faire aimer par tout le monde. Le monde a des millions. Voilà les colis qui partent, vous voyez. Ma maison est pleine de colis, vous comprenez, non, des sacs qui vont partir. Le monde est plein de monde. Et chaque personne prend son gâteau. Et je veux aussi envoyer la nouvelle à ceux qui disent que la Starmania. Facebook, le blanc a créé Facebook pour ça. Vous comprenez, non? On a créé Facebook pour se faire connaître, afin de se faire de l'argent. De bonnes connaissances. En dehors de l'argent, de bonnes connaissances. J'ai rencontré des gens qui sont très bien. Exemple, j'ai rencontré la veuve. Je ne peux pas vous dire qu'elle est méchante. Non, 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 non. Moi, je ne vois même pas ce qu'elle a dit de mal. Elle a dit sa colère. Vous comprenez, non? Donc, Facebook a fait de moi une femme. Aujourd'hui, je suis bien. Vous comprenez, non? Grâce à Facebook. Et la personne qui a créé Facebook, je dis merci. Bon, je vous dis merci. Vous savez, Tata Lili finit toujours par le... On va toujours dire que je suis témoin de Jéhovah Yassep. Le monde est vanité. Excusez-moi si je vous ai blessé, mes chères soeurs. C'est votre grand-mère, Tata Lili. Non, il n'y a pas d'épisode, je clash moi. La personne qui veut se servir me clash comme il veut. Moni maman. La vie n'est rien. Moi, bon, Tata Lili va aujourd'hui danser. Malheureusement, ça s'est mal passé. Bon, je vous fais bisous, bisous, bisous. Je demande encore pardon à la veuve. Écoute-moi, ma veuve. J'ai fait quelque chose qui était mauvais. Tu m'as dit de faire quelque chose. Je t'ai dit que je ne peux pas le faire, ma veuve. Je ne prends pas ça de la même façon. Appelle Tata Doudou. Tu vas demander à Tata Doudou mon soutien vers elle. J'ai soutenu ma soeur à ma façon. Bon, je vous fais bisous, 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 bisous à vous tous. Je vais moi danser aujourd'hui. Bisous à vous. Merci. Bon, il faut... On part. On a même appelé l'hôtel même. On sait même l'hôtel qui... Les hôtels de Paris, là. Nous, les villageois, là, on connaît les hôtels de Paris, là. Déjà, il faut...